Je salue tout le monde à Haïti et merci encore une fois HPN pour avoir fait ce déplacement. Oh, bonjour Heidi! Bonjour Heidi! I love you! Heidi, bonjour! Yeah! Pourquoi j'ai participé à Super Idol? C'est une bonne question. Hein. Je voulais chercher une activité à faire pendant les vacances. Étant donné que Super Idol, l'émission de télévision la plus regardée en Asie, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter l'aventure? C'était pas facile parce que je devais concourir en chinois avec les Taïwanais, mais j'ai essayé et je suis arrivé en 6e place. Je pense que c'est un résultat assez satisfaisant. Le fait d'être le premier non-asiatique à entrer les 10 finalistes, et ça a été un honneur pour moi, tu comprends? De voir que les gens m'ont laissé, pas m'ont laissé, hein. j'ai travaillé à ce que je sois parmi les 10 meilleurs, parce que les Taïwanais, ils sont vraiment stricts et disciplinés, tu comprends, et moi, ça m'a permis de vraiment apprendre de la culture et de profiter, quoi. Le travail a été apprécié par le public taïwanais, je pense que je ne vais pas arrêter là, hein. Le peuple haïtien m'attend que les gars vont continuer de parler de moi toujours. Je suis très flatté, hein. Très flatté d'être un ambassadeur et de la culture haïtienne en Asie. On est à 24 heures de temps de vol d'Haïti. C'est-à-dire, je suis très loin d'Haïti. Il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens à Taïwan, il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens en Asie. J'ai vu la réaction des Haïtiens après avoir chanté la chanson de Steve Winash. Ils étaient très fiers. Les gens, ils m'ont écrit sur le Facebook et me disant merci d'avoir fait la valeur de notre culture. Parce qu'avant, à Taïwan, les gens ne savent que blow, 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 goudou, goudou, goudou. C'est ce qu'ils savent d'Haïti. J'ai commencé l'aventure pendant que j'étais en vacances, comme je l'avais dit. C'était pendant l'été. Et bon, là, maintenant, c'est presque la fin. Et je suis en troisième année. J'ai vraiment peu de crédit. Et pas du tout. Ça aura des impacts, peut-être, mais l'aventure en elle-même n'a pas eu d'impact sur mes études. Je vois que mon travail a porté fruit. Mes amis haïtiens, ils disent, bon, il a de l'audace ce type, parce que participer à ce concours, c'est vraiment avoir de l'audace. Être parmi tous ces Taïwanais, chanter en chinois et me défendre aussi bien, et je pense que rien n'est impossible. Être une star, c'est être un modèle. Être une star, c'est quelqu'un et que les gens peuvent se voir en moi pour s'orienter ou que je peux être un guide pour eux. Et ça fait vraiment plaisir si je peux servir à un modèle, ça fait vraiment plaisir si je peux aider les jeunes à Taïwan ou en Haïti ou partout dans le monde à poursuivre leurs rêves et à bâtir leur avenir, quoi. Je dis tout le monde, tout jeune, merci en pile pour supporter nous. Et pas oublier que Haïti, c'est pour nous lier, comprendre, et que c'est nous-mêmes qui vous fait valoir le pays. Moi-même, par exemple, il dit là où dit que grand monde a échoué. On prend plutôt exemple grand monde, on regarde qui héroïque a été fait. Et nous-mêmes jeunes, nous ça nous capoter, servi de héroïque pour nous capoter un bagage pour payer.